Ou não potável. Ou não cultural. Se tá piva lá por cá. Jusqu'à la moelle. Je prétends que le Schlieffels est le plus beau quartier de Fehlerin, notamment grâce à son riche passé. Si bien que le mari de ma nièce, Marie-Paul, qui habite en Vendée, prétend que c'est le plus beau coin du monde. Voilà un homme qui a du goût. Si je dis que le Schlieffels est une principauté et non une république, cela n'a rien à voir avec la politique, ni avec monarchie ou démocratie, mais avec poésie. C'est vrai, nous ne possédons pas de casino, mais nous avons notre château. C'est le château d'eau dont dépend Fehlerin, dont nous sommes l'historique suzerain. Voilà. Vous le savez, dans les contes de fées, il est souvent question de princes et de princesses et de petits nains. Ce n'est pas pour rien que le journaliste a signalé dans les DN du 16 juillet 2010 que la taille de la fontaine du Tilleul vaut seulement de 50 cm, mais pas le fruit du hasard. Cette hauteur permet en effet aux nains et aux tsvarkala de la forêt voisine de venir se désaltérer et se baigner avec facilité dans cette onde de jouvence pure que le monde entier nous envie. Cette source, même si elle n'est pas tous les jours miraculeuse, comporte beaucoup de qualités. En effet, grâce aux oligo-éléments et aux vitamines qu'elle contient, et qui proviennent du tréfonds des mines creusées jadis sur le flanc de la montagne, elle a l'insigne avantage d'être au moins comparable avec la cristalline de Metzeral. Et au niveau prix, la Metzeral est commercialisée 17 cents, la bouteille de 1 litre et demi, alors que la Schlieffels serait gratuite. Si je dis que le Schlieffels a une histoire, c'est qu'il était rapoté par le glacier d'antan, mais ce rapotage ne lui a pas enlevé son âme. Schlieffels, par sa notoriété, a donné naissance à Silver Haller, dont la maison natale est au 17 chemin du Ramspach, notre voisin. Les Schlieffels ont de tout temps été honorés de savoir que Silver a réussi à pacifier la population pèlerinjoise en tant que maire du village de 1902 à 1919, ce qui, paraît-il, n'était pas une sinécure, surtout pendant la guerre de 14-18. Oui, il fait bon vivre aux Schlieffels. Et ce n'est pas le curé Sipper, un historien de la vallée, qui me contredira. N'a-t-il pas, dans une chronique parue en 1908, comparé le Schlieffels à un fer à cheval, objet pour bonheur s'il en est.
Comme vous savez, tout concorde pour me permettre de dire que notre principauté a été souvent touchée par la baguette magique d'une bonne fée digne des contes de Grimm ou de Perrault. Souvent, mais hélas, pas toujours. Car voilà une anecdote triste que nous n'avons pas le droit d'oublier. Au cours de la guerre de 14-18, un obus explosa devant notre maison. Celle de André Huc n'existait encore pas, elle a seulement été construite en 1923. Les éclats de cet obus laissèrent deux fillettes de 6 et 7 ans revenant de l'école, Madame Augustine Hofer, la maman de Lydie, et Madame Audley Troll, la maman de Lisbeth. La troisième, Madame Marthe Brookert, la maman de Suzanne Passot, s'en est sortie indemne. Elle était en effet tellement petite et légère que la pression de l'air la projetait à terre, lui permettant ainsi de s'en sortir sans blessure. Au même instant, dans le bistrot de mes grands-parents, un militaire assis à la fenêtre écrivait le cœur léger une lettre à ses chers parents pour leur faire savoir qu'il venait de rentrer de permission en pleine forme et que tout allait bien. Au même moment, une grosse déflagration et un éclat blessèrent le pauvre mortellement. Voilà pour aujourd'hui. Mais entendant l'oreille, le schlifels de dessous les roches striées de mystère saura, soyons-en certains, nous conter d'autres histoires de sa si longue histoire. Ce sera pour la prochaine fois. En attendant, place à la fiesta. Je pense que pour l'année prochaine, pour le 10e anniversaire, on pourra élire un prince. Le prince du Schlifels. De toute façon, le prince et la princesse, n'est-ce pas? Bon, le prince avait une mère, de toute façon comme la mère en Angleterre la veille. Hein. Ça sera très certainement la plus âgée de nous. Enfin, donc Anne-Marie, je crois qu'elle bat les records. Hein. Moi, je vois bien Anne-Marie en tant que la mère de... Reine-mère, voilà. Et donc, on va essayer de élire avec une votation, n'est-ce pas? Non, pas en 6, un vote alors. Non, il n'est pas trop suisse. Le petit Gaugien, là, il n'est pas trop suisse. Hein, allez. Alors, on vote. Hein. C'est une bonne race quand même. Et donc, un prince et une princesse. Mais je souhaite trouver une ou deux personnes qui puissent faire un habit ou quelque chose d'un prince. Alors si vous avez, s'il y a des jeunes filles ou des jeunes femmes ou des femmes, des petites mains baladeuses qui peuvent nous confectionner un habit de prince et princesse ça serait bien, je pense. Ouais, je prends, non pas. Non mais là c'est ça se prend. Hein. Donc, alors, Prince Papa Tête, si tu vois, Jean-Pierre, c'est pas de problème, hein. Mais on va essayer de... On va trouver. Et d'autant plus que j'en ai déjà parlé avant, que pour le 10e anniversaire, on puisse décorer la porte, le portail. L'entrée, la frontière, l'arche.
Torche, du Schnitzels, hein, pour marquer le coup, hein, quand même, hein, hein. Alors, je fais confiance aux gens qui peuvent bien coudre, moi, et d'autant plus que j'en ai déjà parlé avant, que pour le 10e anniversaire, on puisse décorer la porte, le portail. L'entrée, la frontière, l'entrée du... L'arche du Schnitzels, hein, pour marquer le coup, hein, quand même, hein, hein. Das ist der richtige Elsass vorne, da, hey, guck, da, noch mal, hey. Da ist er. Nein, ouais, mais ça... À voir avec l'Autriche, c'est vrai, ouais. Pour mon contingent. Et je pense que Bertrand, avec ton imagination, tu trouveras bien quelque chose à mettre sur la partie blanche pour pouvoir avoir donc un drapeau pour la principauté donc du Schnitzels. Ja, Herr. Valerie, Tragspringer, ja. Schnitzels, rote Pilze, parce que au-dessus de où habitait Paul Alter, là-bas, il y a le Crotalor. Ça s'appelait le Crotalor. Crotalor. Oh, Léon, Crotalor, Crotalor. Dépouillé. Fernand, l'emblème c'est le drapeau, alors. Ouais, la principauté. Ouais. Et on a des gens intelligents dont Alvin Allaire, non, qui était du Schnitzels. Hein. Alors toute la matière grise, elle est au Schnitzels. Donc, on a. Hein, fontaine. Et la fontaine, on a l'eau de Pèlerin. Nous, on alimente l'eau. Là, c'est que le Schnitzels qui alimente toute l'eau de Pèlerin coupe là-haut le robinet, c'est coupé pour eux. Pose votre tête. Alphonse Premier. Vogel, nein, wirklich nicht. Ich muss das nicht immer machen. Warum? Nein. Einzig der Schiffel. Du passt chez Janel pour les mensurations. Tu sais pas, mais mon mari est mort il y a 15 jours. Ah, elle a dit, ton mari est mort il y a 15 jours, mais comment? Elle a dit, écoute, j'ai dit, descends à la cave et cherche-moi des pommes de terre. Et il n'est pas remonté. Et après, quand on est descendu, il était mort dans la cave. Et l'autre qui dit, Jesus, mais alors qu'est-ce que tu as fait? Ah, elle a dit, ah, je fais des nouilles. Dans une rue. Et là, il a vu un sissi comme vous l'aviez il y a 20 ans. Pour 55 euros. Alors Fernand dit, oh merde, alors c'est pas cher, mais ça c'est une blague. Il est rentré, il a dit, c'est vrai. Ce que vous marquez là, garantie et avis. Il a dit, alors ça me coûterait moins cher que le Viagra. Je vais acheter ça. Alors, il dépense les 55 euros. Et l'autre, il a fait un petit paquet et il est rentré à la maison. Maintenant, j'ai de nouveau un sissi, comme je n'avais un à 20 ans. Il te fait avoir, alors, garantie, habit. Alors, il a pris le petit paquet, il a ouvert, c'est une loupe grossissante de 10 fois. Unterhose angelegt, wo viel mal verkältet sind. Da hat der Mann gesagt, leg doch einmal Unterhose an, dann bist du nicht so verkältet.
Ja, und ich habe wieder Schweizer gegeben und Rosa gleich auf der Kälte gesehen. Da hat er im Doppeltelefon gesagt, Frau kommt und ist bei Kälte. Aber Sagra, sie sollte unter Rosa legen. Jetzt kommt der Frau zum Doktor. Glüht, sagt, mach es mit dem Müll auf. Im Hals aber glüht, sagt, Madame, ich habe die unter Rosa. Sagt, Doktor, sieht man das im Hals? Was ist das? Ja, doch, Madame, ich habe Unterseite. Ja, sie schwor, deine Bejahung, die Unterhose anlegen. Jetzt hat sie den Hut angelegt, hat sie den Hintern her, den Rogi her, und sagt, Herr Doktor, lüge hinten auf, ob der Hut gerade ist. Alors, je ne regarde là, il dit à son père, mais qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là? Il tâte la vache, il touche les mamelles et tout ça. Ah oui, mais c'est avant de l'acheter. Regarde si la vache est correcte et tout. Quelques jours après, le père s'y est du poids dehors. Le jeune vient. Papa, viens tout de suite. Il y a le facteur qui veut acheter le moment. Gescheit ist ein Rosse oder ein Esel? Ja. Eben, was ist am gescheitsten? Ein Rosse oder ein Esel? Ein Esel. Ein Esel. Gut, das ist wahr, der Esel ist am gescheitsten. Da wissen wir warum. Haben Sie schon mal gesagt, Rosse, wir gemein rot.